Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Free Around the World. Donc, on se trouve aujourd'hui au château de Tilleuroy, dans la Somme, pour le festival Rétro Cétro. Jérôme bassine depuis toujours avec ses années 80 et on va enfin pouvoir les découvrir en vrai. Bon, je suis sympa, je l'ai accompagné. C'est sympa, je trouve. Alors là, je vous cache pas que je suis super motivé. Pour le fan des années 80 que je suis, voir en vrai Simple Minds, Madness, Status Quo, Orchestral Man in the Dark, la Dream Team. Bonsoir à tous, nous vous accueillons ce soir sur le festival Rétro Cétro au château de Tilleuroy dans la Somme. Enfin on y est quoi, donc on a pris un peu de flotte au départ, donc là c'est le premier soir. Donc tout le long du festival, on va vous donner un petit peu nos impressions, quelques extraits de concerts. Donc malheureusement, on n'a pas eu l'accréditation pour aller filmer. J'aurais bien aimé aller rencontrer Simple Minds, Orchestral Man in the Dark, Madness. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même filmer à l'arrache et on va vous faire partager ce moment-là. Donc je vous dis à tout de suite. C'est le mec qui a pas compris qu'on était en plein air. Est-ce qu'il y a des mots qu'on vit dans la salle ? On est en plein air, je connais. Bon bah super concert hein. Ouais, super concert de trio. On les avait vus au Sac qu'il faut il y a plein d'années. Il y a 4-5 ans. Et ben là on n'a pas été déçus et même ça s'est amélioré au niveau de la mise en scène. La mise en scène, les lumières, tout, c'était génial. Eh bien, rebonjour donc pour cette deuxième journée de festival Rétro Cétro. Donc, comment s'est passée la nuit ? Vas-y, dis-nous un peu. Agitée et bruyante. Courte, mais on a fait une bonne sieste après dans un petit endroit calme. Ça a rattrapé les heures en retard. Alors, si vous venez au Rétro Cétro, ne prenez surtout pas le camping qu'ils proposent parce que c'est le bordel toute la nuit. Et après le matin, ça recommence. En tous les cas, pour cette deuxième journée, le programme va être riche avec Status Quo, Alice Cooper et puis plein d'autres choses. Donc on va essayer de vous filmer encore en secret d'autres extraits et puis on se retrouve à la fin de cette deuxième journée pour faire un peu le bilan. Demain, mais bon, enfin, on va voir. J'espère que
bien. C'était bon. Ah, hein. Oh, c'était bien. Ouais. Ils sont vieux, mais c'était bien. Ouais, mais moi je suis crevé, je vais bouffer maintenant. Non, blague à part, super. J'espère que vous apprécierez le petit extrait qu'on a essayé de faire. Hein. Mais toujours, on n'avait pas le droit de filmer, hein, donc on a fait de notre mieux. Cooper's Nightmare Castle. The doors have been locked, and you are doomed. Yes, yes, I know you're hungry. Bon, non, bah. Troisième jour, c'est ça. Troisième jour de festival, donc le meilleur pour moi. Voilà. C'est années 80. Hier c'était rock and roll et avant-hier c'était world music. Et donc on a bien dormi, on est en forme, on a pris des vitamines, on est déjà au café, quoi. Et ben, le premier concert, ça va être Orchestral Manoeuvre in the Dark. Donc on attend ça avec impatience et puis on se retrouve un peu plus tard. Ciao.
Je pense que l'heure est grave. On va pas être d'accord. Tu t'es foutu de la gueule d'OMD, tout le concert. Non, ils sont enthousiastes, ils sont sympas. C'est toujours les quatre mêmes. Ils ont gardé la formation initiale. voilà. Maud, t'es vraiment de mauvaise foi. Sinon, au début, ouais, c'était chiant. Non, mais de toute façon, tout est en image. Mais franchement, c'est une honte. Je ne te sors plus à aucun concert de New Wave, quoi. Moi, j'attends Madness. Ouais, ben, on va voir. Moi, pareil, je vais faire le con quand ça sera Madness. T'as intérêt à rester tout le concert. Hein. Ouais. Comme... Hein ouais. Non, blague à part, c'était pas mal quand même. Ouais, la fin était bien. La fin. Bah, le dernier morceau. Bon, je coupe, j'en ai marre. Je crois que je vais prendre celle-là. Yeah.
Thank you.
Bon ben, je crois que là, on est tombé d'accord. Hein, ouais, Simple Minds, champion du monde. Autant OMD, bon, on n'était pas d'accord. Madness, ouais, bof. Oh, si, quand même. Ouais, c'était pas mal. Mais là, Simple Minds, il, voilà, il a détruit tout le monde. Donc voilà, champion toute catégorie. Ouais, tout le groupe, et tout le monde, la batteuse. Enfin bon, génial. En tous les cas, c'est ainsi que se termine ce festival Rétro C'est Trop. Ben, j'espère que ça vous aura fait plaisir, qu'on ait partagé quelques moments, quelques extraits de concerts. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine aventure avec Free Around the World. Yeah.